Eh bien, bonjour à tous. Petite vidéo. Donc, je suis à la présence de la charrue. Je suis à la présence du semis 920. On est toujours au semis de blé. On est en train de même finir. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous. J'ai mon mari qui est en train de broyer devant moi. Pour sa bonne raison, moi, je laboure aussitôt derrière. Et le semoir, il est déjà arrivé là-bas. Et ce qui va se passer, c'est que comme demain, ils ont pas mal d'eau, et demain, après-demain, etc. Et puis après, il y aura une petite nouvelle, mais il faut surveiller sur mes réseaux sociaux pour me suivre, pour savoir ce que s'agit. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, liker et vous abonner, partager. Je vous remercie à tous. Donc, il est en train de broyer les maïs, les cannes, les résidus, voilà, on n'a pas eu le temps jusqu'à présent parce qu'on s'est concentré vraiment semi-labour, semi-labour. Mais vu comme on approche la fin, tout est semé, du coup il n'aura juste qu'un champ, c'est derrière les maïs. Et vu comme il me reste ce champ-là à faire, donc du coup mon mari il a pris le broyeur, il passe devant moi et moi je passe derrière lui avec le brabant. Le semoir, on peut constater, il est là-bas. Là. Là, ici. Voilà, excusez-moi. Je vous emmène en erreur. Et donc là, je vais voir ce qu'il a fait. Si je peux commencer à enrayer la première corde. Alors, il est parti. Donc, voilà les gens, pour ceux qui veulent savoir comment se passe. Et c'est la finale. Et puis, vu qu'on nous annonce pas mal d'eau, j'ai pas envie. Donc que ça reprend dessus l'humidité parce que ça va être très dur après la semaine arrière. Une chose qui est très certaine, c'est que ça se broye super bien. Vous voyez la passée qu'il a fait et vous voyez il est là-bas en train de revenir sur moi et puis moi je vais partir, on va se croiser. Voilà, j'ai déjà enrayé derrière et puis là juste devant il y a mon mari qui arrive. Donc là, je vais faire une bonne partie du champ pour aussitôt je prends le semoir et je sèmerai derrière. Donc c'est pour vous dire que là, c'est très très serré dans la course de la monte. La simple raison, c'est qu'on sait que la pluie arrive, le changement de temps est là. Donc voilà, c'est du direct, il n'y a pas de montage, c'est des vidéos du direct. Je fais une vidéo avec mon téléphone. Et je vous montre le direct. Vous voyez mon mari qui est là-bas. Ça se broye super bien. Vous voyez ce qu'il fait. Bon là il prend la fourche parce que un endroit ça a bourré. Bon, c'est un endroit où il y avait beaucoup de chardon. Mais on l'a traité exprès. Il remonte dans son tracteur. Et moi, on continue à labourer. Pour une simple raison de fait de faire le semoir après, il va faire très nuit. Donc, je ne vais pas pouvoir tourner avec le semoir. Mais c'est prévu que le vidéo de cette fois-ci, ça sera de montage. La journée que j'ai fait avec Cowboy. Ce Cowboy, bien entendu, lundi, il reprend le boulot. Donc voilà, vous voyez le tracteur, il est passé. Et ben moi, j'ai juste à continuer avant qu'il fait trop noir pour la vidéo. Et moi, je vais vous laisser là-dessus. Et je vous dis merci. Abonnez-vous, likez, partagez. Et je vous remercie à tous. D'être présent et à commenter et merci d'être nombreux sur TikTok et sur Instagram et Facebook. Ça me fait super plaisir. Bon allez, ciao, bye bye.